le désignation super positif, avec en plus un mélange interdisciplinaire. On vient aussi travailler sur les sciences, sur la technologie à travers les projets, etc. Donc c'est vraiment épatant et avec des idées absolument géniales. C'est là où il faut aller chercher les bonnes idées. Ils sont très sensibilisés, surtout avec des équipes éducatives, etc. Et je pense qu'on est là aussi en train de former le citoyen responsable de demain. Ah ben moi j'ai trouvé ça absolument formidable, plein d'idées. Peut-être la première chose qui m'a frappé dans les 7 projets, c'est que ce sont tous des projets altruistes, qui sont sur le social, sur les pauvres. L'autre chose qui m'a frappé, c'est l'ingéniosité. On pourrait s'attendre un peu à avoir peut-être des stéréotypes ou simplement les idées des parents. Et l'impression que j'ai eue, c'est que chaque groupe d'enfants a su créer une espèce d'autonomie, de créativité et d'inventivité, dont une partie me paraît tout à fait réutilisable, au moins comme maquette générale, par une entreprise, une ONG, une administration, enfin des gens qui ont envie de mettre en place des inventions pour en faire des vraies innovations sociales. Enfin, je suis très impressionnée parce qu'ils ont compris l'essence de ce qui les attend. Et moi, je suis ravie d'être là parce que j'ai découvert des enfants à qui on peut faire confiance pour réinventer le futur, comme on dit. Il faut que toutes ces initiatives soient diffusées, que tout le monde soit sponsor de ça parce que ça fonctionne, ça leur servira plus tard. J'ai trouvé cette journée particulièrement intéressante. D'une part parce qu'elle fait participer les enfants aux solutions de demain et ce seront les premiers concernés. Donc ça, c'est très important. En plus, dans un mode à la fois créatif et pragmatique que permet le design thinking, ce qui est quand même est très intéressant pour développer des solutions et leur montrer qu'ils peuvent être acteurs de changement dans leur environnement. Voilà. Moi, ils m'ont donné plein d'idées, plein de solutions qui, j'espère, verront le jour. J'étais ravi de participer à cette expérience. On a découvert des projets qui sont vraiment intéressants, assez divers, mais il y a quand même un point commun et c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est l'aspect humain et l'aspect social en fait, qui est dans tous les projets quasiment. On revient toujours à la pauvreté, à comment faire en sorte d'avoir l'alimentaire qui est plus accessible finalement à ceux qui sont dans le besoin. Ils ont très bien compris les enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Ils ont su répondre avec leur regard à ces problématiques et je pense que ce serait intéressant de multiplier à grande échelle, bien que ce soit déjà dans 40 villes, multiplier sur des programmes scolaires concrets ce genre d'initiative et en faire la norme globale. Le désignaton, c'était trop bien, on a appris plein de choses, comment faire un geste pour la planète et le citoyen. C'était super bien, j'ai appris beaucoup de choses, voilà. J'ai appris les 4 plus grands problèmes, j'ai trouvé ça super. Oui, j'ai pensé que c'était bien, c'était amusant et on a appris beaucoup de choses. Une journée riche en émotions, riche en partage. Une première expérience du Global Children Designathon, super, super réussie à Paris. On est hyper contente et déjà prête pour l'année prochaine. Oui!